Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui, une grosse tête qui triomphe avec Sophie Marceau au Théâtre des Bouffes parisiens, François Berléand. Quel talent. Une grosse tête qui va triompher en librairie avec son livre Crimes et Mystères de France, Paul Elkarat. Une grosse tête qui triomphe en tournée en France avec son nouveau spectacle et qui vient faire une petite pause dans le grand studio, Liane Folly. Bonjour. Une grosse tête qui triomphe à la présentation du loto. Ah oui, chacun sa gloire. Et nous fout les boules quand il chante, Christophe Beaugrand. Bonjour. Une grosse tête qui a sur la langue ce que Bernard Mabie n'a plus sur la tête. Oh. Isabelle Mergaud. Bravo Isabelle. Une grosse tête mise en examen pour cyberharcèlement sur Uber Eats et Deliveroo. Bernard Mabie. Bonjour. Combien vous faites de commandes par jour? J'imagine que maintenant, ça doit y aller, je sais pas, 3-4 fois par jour, maintenant qu'on peut commander ce qu'on veut à manger à n'importe quelle heure de J'ai changé mon congélateur. Ah oui. J'ai pris un truc plus grand pour... Vous avez pris le modèle Courgeot. Ouais. si vous voulez. Arrêtez, les filles de Bernard sont là aujourd'hui. Enfin, c'est pas vrai. Ben oui. Vos filles, elles sortent. Hein. Elles sont dans le public, je les ai vues tout à l'heure. Elles sortent, elles marchent, elles vivent. Elles sont où, les trois vieilles? Mais vous êtes horrible. C'est vrai qu'elles sont déjà retraitées, mais... hein? Elles ne doivent pas être toutes jeunes, vos filles. Si, elles sont jeunes. Ah, vous les avez repérées, vous. Non, mais que, comme François Berléand, ils ont été papas assez tard. Un comédien peut être père très tôt. Oui. Voilà. Voilà, c'est ça. Bah, écoute, il y a trois personnes qui ont applaudi. Il y a quand même des gens qui ont compris. Bah, c'est d'ailleurs la grande injustice avec les vis-à-vis des femmes. Pourquoi? Bah, parce qu'un mec, s'il peut. Hugo Frey, 94 ans. Il n'est pas père de famille. Mais non, mais il est plus Hugo que Frey. Hein. Oui. Je suis d'accord, Isabelle. Mais 45 ans de différence, c'est un truc de dingue. C'est comme si moi, je pécho du 15 ans, quoi. Ah oui. Bah, tu le fais. Je vous ai vu draguer le petit Paul Elkarat. Rien à voir, je suis sa marraine de cœur. Ah, c'est vrai, ça, Paul? J'en sais rien. Non, je rigole. Si elle le dit, je la crois. Je vous ai mis côte à côte parce que je sais qu'elle vous chouchoute, Liane, pendant l'émission. L'adore. Et comme ça, pendant ce temps-là, vous m'emmerdez moins. Ah, ça, c'est mal me connaître. Non, mais c'est bien, je suis content. Non, mais attendez, il y en a une cougar sur le perron, ça suffit. On a une cougar sur le perron. Mais ça va pas, non. Ne nous fâche pas avec la première dame. Non, je dis simplement qu'elle nous donne l'exemple. Ah, voilà. La première dame de France, elle a l'autorité et elle nous dit, c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez pécho du jeune. Exactement. Elle légitime. Oui, exactement. Mais le jeune ne veut pas. Ah bah, ça dépend. Elle a raison, Isabelle. Ah non, c'est pas vrai.